Bon, salut les copains. Bah écoutez, j'ai lancé donc l'installation de la mise à jour 1.28. Et qu'est-ce que je peux vous en dire? Bah pas grand-chose. Bon, il y a des corrections de bugs, hein, probablement, on va dire. Sinon, qu'est-ce que j'ai remarqué de spécial? Eh ben, pas grand-chose. Bon là, évidemment, ils ont changé la liste là. Donc là, on a maintenant guerre terrestre, escarmouche. Domination des zones de largage en match à mort. Je comprends pas. Mais bon, l'intitulé, capturer des points pour réanimer vos coéquipiers, prenez le contrôle de tous les points pour remporter la manche. Ça peut être pas mal. Ça, j'essaierai d'y jouer. Je vous ferai un petit gameplay peut-être, si je suis pas trop ridicule. Jeu d'armes en match à mort par équipe. Bon, ça, je vous le commande pas, vous le connaissez. Quartier général fusillade. Bon, ils ont rajouté un mot, quoi, fusillade, à quartier général, c'est bien. Et puis bon, les parties privées. Non, ce qu'il y a de nouveau, alors, comment vous dire, qui n'a strictement aucune importance, c'est que vous voyez maintenant, vous avez le choix des opérateurs aléatoires. C'est-à-dire que si vous cliquez sur aléatoire, bah, vous allez tomber un coup sur Ghost, un coup sur Thorn, un coup sur. Voilà. Sur Woods, si vous l'avez. Voilà. Donc, bon, pas de quoi fouetter un chat. Et ici, quand vous allez donc dans le personnage, vous avez aussi un mode aléatoire pour l'apparence du joueur qui est par apparence, qui est aléatoire, les répliques aléatoires et les exécutions aléatoires. Voilà, et bah écoutez, c'est tout ce que j'ai remarqué de nouveau sur ce jeu. Alors, ça m'inquiète un petit peu, je vais quand même regarder par acquis de confiance, mais non, il n'y a pas de nouvelles armes. Bon, bah écoutez, voilà. Je vais quand même vérifier, hein, on ne sait jamais, je vais aller un peu plus loin dans la recherche. Donc, il n'y a pas de nouveau fusil d'assaut. Il n'y a pas de nouvelle mitraillette. Ah, le Jack 12. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, voilà, il y a un truc nouveau, c'est le fusil Jack 12. Faire 3 éliminations au tir en juge avec un fusil à pompe dans 7 parties différentes. Bon, tant qu'ils nous mettront pas Shipment, bah, ça va être compliqué, hein. Et ensuite, dans les mitrailleuses, il n'y a rien. Fusil tactique. Il y a le SPR 208. Ah bah c'est parce que je l'ai déjà, ça c'est n'importe quoi. Dans les fusils de précision, il n'y a rien. Et corps à corps, il n'y a rien. Donc voilà, vous avez un nouveau fusil à pompe. Le Jack 12. Et on va attendre qu'il mette Shipment pour pouvoir le débloquer parce que. Trois éliminations tireront au jugé avec un fusil à pompe dans cette partie différente. Ou alors je vais me le mettre en arme secondaire. Et puis tenter le coup, quoi. Voilà, bah écoutez les copains, c'est tout pour aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y était avant, ce fameux Jack 12 là. C'est extraordinaire. Je l'avais pas vu, il m'était passé au travers. Du coup, bah, je vais prendre un fusil à pompe que je vais mettre là. Et prendre le dragon de feu, j'aime beaucoup le dragon de feu, voilà. Avec une crosse bien sûr. C'est celle-là ou celle-là, je sais plus. C'est celle-là, voilà. Ben voilà les copains, ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va voir au fur et à mesure de ce que ça va donner. A plus les copains, salut, prenez soin de vous.